Free! Devez. Free! Devez. Free! Devez. Free! Devez. Free! Devez. Devez. D'un côté de cœur, bon mot. Il y a la vie qui vient. Maintenant, là. Je te touche. La roca, la roca. Je te bénis. On te dit. Fais! Poison. Fais! Poison. Fais! Poison. Fais! Poison. Fais! Poison. Fais! Poison. Lâche ça! J'entends. Lâche ça! J'entends. Tu vas me libérer ce corps. Tu vas me libérer ce corps. Tu es là. Tu es là. Sors. Fais-toi. Sors. Fais-toi. Libère-la. Je dis. Au nom de Jésus. Je dis, Yahweh. Lâche-la. Tu es bon. Lâche-la. Tu es bon. Lâche-la. La puissance de Dieu te terrasse. J'ai arrêté de parler de Dieu. Terrasse. Quoi? 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 Yeah.
Thank you.
Thank you.
Nous allons prier pour elle. Dans le monde des affaires. En haut. Elle veut aussi essayer les affaires en Côte d'Ivoire. Viens te donner des femmes, tu vas travailler avec eux. Tu vas les prendre, tu vas les faire des affaires ensemble. C'est une femme d'affaires. Ah, Viens choisir, puis je vais te donner, tu vas les aider. Amen. Je connais ici les gens. Quand je prends avec toi, ça va marcher. C'est la première fois en Côte d'Ivoire. Elle veut expérimenter aussi le monde des affaires en Côte d'Ivoire. C'est bon en Côte d'Ivoire. Tu as déjà vu, je t'ai parlé. Investir en Côte d'Ivoire. J'ai la manaille pour faire bien investir en Côte d'Ivoire. On peut investir. Elle me voit, vous venez des choses, je sens pour lui. Il y a des gens. Ils sont là, avec qui tu peux travailler. Il y a beaucoup de mes filles. Elles sont venues à main. Si elle travaille avec toi, donne-moi une bouteille d'huile. Je fais ton deuxième main. Nous allons prier. Elle est venue spécialement pour ça. Il faudrait qu'à partir d'ici, que tu sois une millionnaire en euros ou en euros. Allez, euros. Qui est bon? Non, d'ailleurs, c'est petit. Elle m'a donné des billets des dollars, il y a des États-Unis, tu viens d'acheter ma mère, il dit ok, nous on prend ça aussi. Il y a des fonds de ça, ça me donne l'argent. Elle a un pays, une nation. On connaît le pays. Elle a jugé bon de venir chercher Dieu. Notre Dieu, le monde qu'il est avec nous ici dans cette nation. Non, on a un pays. Dans le nom de Jésus, que nous avons prié, on dit amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Je vais vous exhorter un peu, je vais parler de l'importance de la consécration. Amen. Il faut que l'ennemi ne respire tout ce qu'il a volé. Le diable, c'est un voleur. Alors, nous lisons dans l'évangile, chapitre 10, le verset 10. Le voleur ne vient que. Voler, c'est ça qui est dérobé. Dérobé, le détruit. Au cas où tu as, le diable est un usurpateur. Il a pris ce qu'il a fait. On a maintenant un élément qui a produit des résultats. Mais on t'a envoyé. Il t'a volé la santé. Il t'a donné la maladie. Amen. La présence de Jésus à la croix. Mais la connaissance. Le mal. Je ne dis pas ta maladie parce que c'est pas ta maladie. Le propriétaire de Satan. Non, c'est pas ta maladie. Il a pris sur lui. Je dis le mal dont tu souffres. C'est un début de ça. Je dis que c'est mal. Je suis mal. C'est pas ma maladie, c'est pas ta maladie. C'est la maladie du diable. Qui vient prendre ça? Ah, il y a des Amen. Il faut
que tu restitues ta santé. Et là, quand on se termine avec Dieu, on ne peut pas parler de prospérité sans santé. Comment tu vas fructifier tes affaires? Et il y a un temps. Jésus est la guérison. Dis amen. Alléluia. Amen. Il faut que Dieu nous bénisse. Et là, ouais. L'importance de la consécration. Non, consécration. Consacré. Il y a l'aspect sacré dedans. Sacré. Quelqu'un m'a rendu sacré. Pourquoi on nous rend sacré? Parce que c'est important. Ça sécurise nos vies. On dit, la forêt sacrée, on ne touche pas ça. Moi, même pas, non. Ah oui, c'est ça, il y a quelque chose. Amen. Il faut qu'on te rende sacré. Et là, moi, je suis éternel. Amen. Nous avons lu la parole de Dieu. Amen. Ézéchiel. Ézéchiel, même. Chapitre 16. Ézéchiel chapitre 16. Ézéchiel, nous allons continuer. Amen. Amen. Je vais t'amener à posséder beaucoup de choses. Quand tu vas marcher, l'argent va chercher ta poche pour venir. Amen. 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 Tu es l'argent. Non, tu es condamné à être riche. Vous avez eu un président de la République, non, ses enfants sont pauvres. Lui, il y a un dirigeant de souveraineté. Dès que son papa devient président, il est bien riche. Il travaille pas la salaire. Et le cas. Toi, tu es le fils du roi de l'homme. Moi, le plus bien. Est-ce que vous arrivez souvent à penser à la royauté? Qu'est-ce qu'il y a? Si vous étudiez ça, vous allez vous asseoir dans votre chambre, vous allez vous ouvrir. Les hommes de vous, ils ne travaillent pas. Tout ce qui est dans le royaume a tout. Et vous voyez, c'est ça que j'ai vu l'histoire de Jésus. Oui, j'ai dit des gens. Il a adoré. Avec de l'or, de l'argent. Amen. Amen. Ils viendront depuis l'eau. Je fais ton village pour te donner ton or et ton argent. Ils vont te donner ça, ton or et ton argent. Ils vont te donner ton chéri qui a fui. On ne peut plus. Oui, monsieur, on va le faire. Il a fui, non? Il a béni. Quand tu rêves, tu penses à lui. Lui, il est beau, hein. Tu vois, il est beau. Il fait tout. Il a commencé à parler. Il va commencer à se souvenir de toi. Donc, il va là d'abord. Il peut dire, ma femme aussi, elle est bien. Non, 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 non. C'est qu'elle sera tout laissée. Donc, la nation va faire. En vrai, on va faire des conciliations. Allez-vous nous lire, allez-y. Parce que c'est ce ministère-là qui est, c'est Jésus. Mais là, j'ai une situation. Il a réconcilié l'homme pécheur avec Dieu. Comment il va en pouvant en vous? Dis amen. Amen. Dis amen. Amen. Il faut que tu restitues ton bébé. Il est là, il est là. Ça va, amen. Bientôt un champignon va rentrer dans le vent. Dis amen. Amen. La consécration. Pourquoi? Il pourquoi on va être consacré? Dès qu'on est accepté Jésus, nous justifie son sang. Non, il faut être une personne sacrée. Mais le sang de Jésus-Christ, ça te justifie. Mais ça va être une personne sacrée. Ça va être une ça t'a réconcilié avec Dieu. On a un élément de péché. On a un élément. Tu as quelqu'un qui manque quelque chose. Donc là, Jésus-Christ a eu des états dans la vie de Jésus. Lorsque Jésus est né, ils l'ont présenté au temple. Amen. Ils l'ont présenté à Dieu. Quand toi tu es né, c'est à qui qu'on va présenter? Alors voilà. Soit avec. Combien est rentré dans le ils sont là pour les exprimer l'eau. Ils perdent ton argent bêtement. L'esprit des eaux. Vous qui avez connu, il n'y a pas que tes yeux brillent. Et voilà, il y a quoi d'ailleurs?
Nous t'ont présenté à quel Dieu? Alors, nous avons été comme ça. Nous avons présenté l'enfant Jésus à Dieu. Jésus, il va être comme ça. Et Dieu a commencé à conduire sa destinée. Mais d'accord, pas avant une qui m'a fait. Quand tu es né, à quel Dieu ils t'ont présenté? Ah, là, comment attaquer le problème? Ils ont demandé à quel Dieu de conduire ta destinée. Ah, là, comment est-ce que mon père a voulu dire là? Si ce n'est pas Yahweh, le Dieu d'Israël, ils sont les démons. Dieu veut vous bénir. Amen. Amen. Ils t'ont dit un Dieu, c'est un Dieu qui conduit ta vie. La vie est bizarre. Non, on a pour le plus beau petit. C'est ça qui est le nom d'aboutissement dans ta vie. Non, on a pour le plus beau petit. Rien n'importe dans ta vie. La pour le plus beau petit. Amen. Amen. À un moment donné, paf, tout de suite. Le premier jour, il y a un homme à passer dans la petite maison. Au moment où tu veux sourire, il me dit que tu n'as pas un grand souci. Parce que j'ai un faux Dieu qui te suit. Vous êtes là, vous êtes là. Mais il ne t'attend plus. Et dit là, tu as ceci. Et si tu m'en es dans ta vie, il y a un peu pour lui. Amen. Allons-y dans la parole de Dieu. Et c'est un peu. On peut être à l'église, être influencé par les dieux de nos pères, par les dieux de nos ancêtres. Amen. Amen. Allons-y, Ézéchiel 16. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, faire connaître à Jérusalem ses pratiques abominables. Tu diras, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem. Car ton origine. Il dit car ton origine, rappelle l'origine de Jérusalem. Jérusalem, c'est devenu la cité de Dieu, la cité de la loi. Mais Jérusalem, son origine. Jérusalem, on peut tout dire, vas-y. Et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Tu es du pays de Canaan. Amen. Amen. C'est vrai que Jésus t'appelle Jérusalem. Ouais. Mais cette nation appartenait à un peu païen. Et tu vas dire à Abraham, je vais te donner un pays. Mais ce pays appartenait à un peu païen. Amen. Toi, tu sors d'un village. Et où tu